Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo d'ouverture de boosters. Donc comme vous pouvez le voir juste devant vous, ce sera des boosters XY étincelle, Quaffarelle, Escroco, Dame du centre Pokémon, Roserad en Pokémon Reverse, et derrière... Non ! Wouh ! Mais c'est incroyable, à chaque fois que je commence avec un booster, j'ai une ultra. Le fan club Pokémon en full art. Bon bah on l'a vu dans le display, hein, vous l'avez vu, donc celle-ci elle sera à l'échange. À moins que je le fasse gagner au concours. Non, elle sera à l'échange, pour l'instant elle est à l'échange. On a Raikou en Commune Reverse, d'accord, et puis derrière on a... Waouh. Ah, j'avais oublié que j'avais pas celle-ci en plus. Ah non, je l'ai pas celle-ci, c'est la secrète qu'on a eue, et celle-là je l'ai pas. Je croyais qu'il me manquait Magnézone et... Ah oui, puis les deux secrètes. Les deux secrètes, ouais, c'est ça. Il manque deux secrètes, Magnézone, Full Art et celle-là. Ouais, je l'ai pas, celle-là. Je suis très gâté avec cette série. J'espère que vous aussi. J'espère que vous aussi, vous êtes gâté avec cette série. Parce que c'est vrai que, bon, ça peut en dégoûter plus d'un si vous ouvrez des boosters et vous avez rien. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. XY, j'avais ouvert 3 fois 8 boosters, je crois, et j'ai eu une seule ultra de mémoire. En 28, 16... Ouais, 20, en 24 boosters, j'avais eu qu'une seule ultra. Hein. Donc là, ça rattrape un peu ça. Bon, bah voilà, hein, la chance, elle tourne. En ce moment, j'ai pas mal de chance. Donc, je suis plutôt content. Voilà, donc, ce que j'ai eu dans cette ouverture. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle, une prochaine vidéo. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous! Bye! Salut à tous, c'est Tous sur l'époque. Donc, on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour une ouverture de booster XY étincelle. Donc, Milobelus. Ah, j'avais pas non plus en reverse, celle-là. Donc, en holo reverse, c'est la 23/106, très belle carte. Et derrière, on a d'accord, Dracofeuex. Mais ça de côté. Dracofeuex, donc en forme un peu méchant. Voilà. Pomme de pique, Fouinette, Pifeuille, Brésillon, l'Hyperbole, Roselia en commune reverse, et puis derrière. Ah, dommage. Enfin, dommage. Kangourex X, ok. Bon bah une petite ex, on a eu deux ex déjà en 4 boosters. Ça c'est une commune reverse, on a encore quelque chose derrière les amis. C'est fou. Et derrière on a... Non oh, oh non. Méga Kangourex secrète. Méga Kangourex ex secrète. Donc voilà, voilà, je suis super content. Franchement, je pensais pas avoir cette carte dans cette ouverture. Bon, je pensais avoir un petit ultra quand même. Mais je pensais pas avoir une secrète comme ça. Mais je vous assure que les secrètes sont extrêmement rares à avoir, même si j'en ai eu deux avec vous. Mais j'ai ouvert combien de boosters? J'en ai ouvert plus de 100. Hein. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'ouverture de deux tripacks XY étincelles. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors, ce sont les tripacks que j'avais eu dans la brocante numéro 3. J'ai eu Tangalis en holo. Noctuine Noir en holo et un petit Kangourex X. Donc pareil, hein, il est à l'échange. Voilà. Donc je vous laisserai pour me proposer des cartes. De préférence des cartes des promis de noir et blanc, je préfère. Et salut à tous et tous, c'est Pac. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une Pokébox plutôt ancienne, donc une Pokébox, je sais pas si je peux l'appeler Pokémon Reshiram, Pokébox Reshiram ou Pokébox Zekrom, car c'est la Pokébox avec l'illustration Reshiram, mais c'est la carte holographique promo Zekrom. En rare reverse ou en holographique, je sais pas du tout. Trop de temps. Je dirais une rare quand même, mais pas sûr. Ludicolo en tout cas, Edari. Non ! Drascor niveau X. Direct, premier booster. En ce moment, vous avez remarqué, j'ai des ultras dans chaque premier booster. Tout. Et les secrètes, ils tombent avant, donc après, on n'a pas d'ultra. Hein. Motisma tonte en secrète. Bon, bah, une petite secrète, la RT4. Ok, bah ça me fait plaisir, c'est une carte qui code pas grand-chose. Je l'ai déjà, hein, donc elle sera à l'échange. Qui code pas grand-chose, mais ça fait plaisir d'en récupérer des petites secrètes un peu anciennes comme ça. Et puis derrière, du coup, on a Grolem. Alakazam, très sympa. Pifeuille en Commune Reverse et derrière Magie Rêve niveau X. C'est incroyable. Incroyable. Waouh. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, que j'ouvre une Pokébox plutôt ancienne. Ouais, plutôt ancienne, il faut le dire. Il y a plus ancien, mais c'est plutôt ancien.
Ça m'a fait plaisir. Donc ces Pokébox, hein, je vais les mettre en vente. Je mettrai sur eBay également, sachant que je les vends beaucoup moins cher sur YouTube car il n'y avait pas de frais. Donc n'hésitez surtout pas à me demander, à faire des échanges, d'achat ou quoi que ce soit. Ces Pokébox, elles vont devenir vraiment introuvables. D'ailleurs, elles sont déjà introuvables. J'ai réussi à en décoter un petit peu. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message privé. En tout cas, si la vidéo vous a plu, ben mettez un petit like, un petit j'aime, ça me ferait vraiment plaisir. Commentez pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que vous avez pensé que du bien, je pense. Hein. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye tout le monde!